Tourisme, un badge professionnel pour les guides touristiques. Le tourisme est un grand secteur pourvoyeur d'emploi pour les jeunes, mais ces derniers doivent travailler de manière professionnelle afin d'améliorer l'image de Madagascar et d'attirer le maximum de touristes. De guides touristiques qui sont dans le domaine de l'informel. Ils ne sont pas officiels et surtout, malheureusement, qui ont une mentalité qui nuit gravement à l'image de notre pays et à l'image du tourisme. Donc, à partir d'aujourd'hui, il y aura des badges avec hologramme, infalsifiable, unique. Donc, on connaîtra tous les guides du pays. Et on saura leur mentalité, leur mode de fonctionnement, et on ne pourra plus berner, si je peux m'exprimer ainsi, des touristes. Et on incitera aussi toutes les communes urbaines, surtout les capitales provinciales, on va les inciter à donner aussi des badges aux pousses-pousses. Concernant les guides touristiques en particulier, le suivi d'une formation sera désormais assorti à l'octroi d'un badge professionnel par le ministère du Tourisme. Si le nombre de touristes qui ont séjourné à Madagascar a augmenté de 20% l'année dernière, de meilleurs résultats sont attendus cette année, selon toujours le ministre du Tourisme.